On va parler d'un autre équilibre. Alors, de toute façon, rendez-vous ce soir à partir de 19h30. Il y aura une manche complète, il y aura 10 courses avec des éliminatoires, et puis une finale, et puis demain, ce sera la revanche d'aujourd'hui en quelque sorte. Nous allons terminer avec un autre genre d'équilibre. C'est un équilibre axé sur les variétés, ce n'est pas facile, et on revient à la télévision. C'est un exercice très périlleux. Et lorsque l'on est tout jeune et que l'on veut, ou toute jeune, que l'on veut démarrer dans la chanson, ben ça ne doit pas être tellement facile. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense notre dernière invitée, Mylène Palmer, mais vous en êtes à votre premier disque, oui. C'est donc le tout début. Mm-hmm. Ce n'est que pas votre première télévision. Non, j'en ai déjà fait plusieurs. Déjà fait plusieurs, donc vous êtes déjà une ancienne dans le métier. Non, pas une ancienne, une débutante, mais j'espère continuer. Pourquoi avoir essayé de tenter l'aventure? Parce que c'est une aventure. Oui, enfin, j'ai surtout eu la chance, je crois, de rencontrer des musiciens et compositeurs. Avant ça, j'avais suivi des cours de théâtre, donc il y a quand même un parallèle. Et puis, donc j'ai rencontré ces deux personnes qui m'ont proposé cette chanson. Et grâce à ça, je pense que ça m'ouvrira des portes pour autre chose aussi. Alain? Bien, moi, je voudrais d'abord... Écoutez. Écoute. Bah c'est alors là, c'est un clip, le fameux clip vidéo. De, ouais. Maintenant, il n'y a plus de chanteur sans clip. Alors, Mylène, comme les autres, est arrivée avec son petit clip en écoutant. À l'hôpital. Alain, alors maintenant, vous avez vu. J'ai vu, je suis pratiquement convaincu. D'abord, vous savez que j'ai fait un magazine qui s'appelait Voir et je suis très sensible à l'image. Et alors, le clip maintenant va révolutionner un petit peu la mise en scène au niveau des plans variétés. Je suis frappé par le fait qu'en 3 minutes et quelques, la durée d'un disque, on puisse avoir autant d'idées. Il y a le côté un peu fou des photos de David Hamilton. Il y a tout. Bon, vous êtes très télégénique, c'est un premier compliment. Mmh. J'aime votre chanson et j'aime aussi toute cette jeune chanson qui arrive, parce qu'on nous rebat souvent les oreilles avec la chanson d'autrefois, et Chichi, Marinella, etc. C'était quand même pas des trouées extraordinaires. Je pense que vous avez beaucoup de choses pour beaucoup d'atouts, mais parallèlement à la chanson, mais peut-être aussi la comédie, un téléfilm, etc. Alors, une seule petite restriction, il y a un peu trop de glycérine sur les pleurs, là ça doit être beaucoup plus somptueux quand vous pleurez d'amour. D'accord. Alors en quelques secondes, ce que vient de vous dire Alain Pujol, ça vous tente, oui. Le cinéma, le théâtre? Absolument, mais je pense que je le ferai de toute façon. Oui. Je suis une gagnante, donc je pense que j'espère y arriver. Voilà une future mémé intéressante. Non, mais les mémés en rayon. Donc les mémés en